Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle VOD de Brotato. Figurez-vous, Brotato. Ici même, ça s'appelle Brototo, mais c'est pas grave. Il nous reste un personnage. Regarde, regarde. Promis, regarde. Tout est rouge. C'est pas mal rouge. Bon, c'est mieux, c'est plus classe en danger, mais bon, je ne m'appelle pas Kiro. Voilà. Il nous reste Jack, on l'a débloqué la dernière fois en tuant un boss en moins de 15 secondes. Ça nous a pris 4 secondes, on a tué le boss en 4 secondes quand même. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Eh merde. Merde, je peux le revoir. Merci Serda, super. Et une glace super canon. Le glace canon, mon cher Albator, est une technique de gameplay très spécifique où tu mises tout dans les dégâts. Il y a le spoil dans le titre de la VOD. Terrible. Terrible, le spoil. Bon, c'est bon, au moins les gens ne seront pas trop choqués. Ils vont s'attendre à un zibou. Mais voilà, peut-être que sur la joue d'un vieux, peut-être pas. Ça va alors ? Bon, ça va alors. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le glass cannon, c'est ça. Tu mises tout sur les dégâts. Tu fais que des dégâts, les dégâts. J'ai quitté un groupe de potes avec qui on jouait depuis plusieurs mois. Tout le monde s'en... Quoi ? Tout le monde s'en doit ? Personne me demande pourquoi. On cherche à me réinviter. C'est la dure loi d'Internet, ça, des fois. On existe sans exister, parfois, aussi. Tout le monde s'en fout. Je suis désolé, Léa. En vrai, je suis désolé. Quand je dis que c'est la dure loi d'Internet, ça veut pas dire que c'est pas des vraies relations, tout ça. Bon, sinon, j'ai rien à foutre ici. Hein ? Sinon, on vit quoi, là ? On vit rien du tout, alors ? Mais si. Bon, on est en relation. Bon, attends. Je vais lancer Jack. Qu'est-ce qu'il fait, Jack ? Je suis désolé, en tout cas, Léa. JJA, j'allais dire, avec Jack. 50% de dégâts contre les boss et les élites, très bien, c'est formidable. Plus 200% de matériel lâché par les ennemis, d'accord. Par contre, il y a très peu d'ennemis. Ils ont beaucoup de santé, donc il faut leur faire masse dégâts, quoi. On l'a pas essayé, ça. On peut faire un Jack en lance de joute. Ça, c'est rigolo, ça. Hello, Energy Flower. Mais pourquoi ? Et on sait pas, c'était écrit quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Hello, sorry, Energy Flower. Flowway, sorry. Welcome to you. I don't know your language. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Faut faire masse dégâts, du coup. 40 ? Mais par contre, ça met 2 secondes. Yu Shei Haoili. What? Yu Shei Haoili? Allô? What do you know? Ah non, je crois que là... this is not any language in Ajax? Au secours! Peut-être c'est Ajax qui s'est transformé. C'est l'évolution. C'est l'évolution de la deuxième évolution d'Ajax. Oh, j'hésite entre revolver ou lance de joute. Il a dit que son grand-père va bien. Ah, d'accord, ok. Ajax. Mais vraiment Ajax? C'est toi Ajax? You? Non, pas du tout. On va tester la lance de joute. Le revolver? Ah, bon, allez, d'accord, Nat. De toute façon, j'hésite entre les deux, parce que je ne l'ai jamais testé encore, ni l'un ni l'autre. On va tester Revolver, en danger 3, hein, et prochainement, je ne sais pas si on aura le temps ce matin, mais on fera du... Ah, c'est parti, Jack. Jack the Reaper. Shay, j'ai dit. Ah, d'accord, c'est ça que tu voulais dire, Shay. Ok. Ah ouais, fallait le préciser. C'était important. C'est un 6 coups. D'accord, merci Floé. Attends, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit. Je vais me recoucher. Bon, Léa, en tout cas, je te fais des gros hiboux. Pense pas trop négativement. Mais oui, il parle français, on dirait. Pour dire chat. Repose-toi bien, Léa. Reviens nous voir, je te ferai un petit glass canon si t'es là. Promis. Dégâts critiques, de l'esquive, du vol de vie.
je sais pas trop là, faut faire des dégâts en vrai. En bref, les gars apprennent le russe, la langue du haut. Langue du haut ? La langue du haut. Non mais je pense que c'est quelqu'un de russe qui fait du Google Trad. you are Google Trading ? Trading ? Pardon. Ouais mais non mais... Ah, notre revolver, ça je veux bien. Dégâts de mêlée, non on s'en fout. On veut plein de revolvers. Cœur dans le ciel. Bon courage à toi, vite. Mais tire pas les deux. Ouais. Beaucoup moins. Bah, il y a moins de perso, mais au final. Ok. Au final. Ah non, on gagne pas autant de pognon quand même. Hein. Faut que je fasse gaffe à ça. Dégâts à distance. Il a juste dit que son grand-père allait bien. Ah c'est ça, d'accord. Après les Russes. Mais. Ok. Non mais. Arrêtez, oh. Eh oh. Calmez-vous là. J'ai pas de problèmes internationaux, moi. Eh oh, calmez-vous. Mais pas autant que les Français, tu crois? Non mais oh, dites pas des trucs comme ça là. La paix dans le monde là, oh. Même si peut-être c'est vrai, j'en sais rien, mais quand même. Parce qu'après, c'est pas vous qui allez avoir des problèmes, hein. Parce qu'après, vous énervez des gens. On sait pas ce qu'ils font après. Il y a des armes nucléaires peut-être. Toxicity. Je vais tester, t'as moi-même toxique. Ah bah ouais, bah super. Ah bah super quoi. Calmez-vous. Calmez-vous. Alors attendez. Masse dégâts, un peu de vie quand même, non? C'est un peu... Non, ça va. Ça va. Chance de critique. La vitesse d'attaque, c'est pas mal. Est-ce qu'on se fait une petite saucisse? Non, pour l'instant, j'en ai pas besoin. La portée, c'est vraiment pas... Voilà. Est-ce que ça, j'en ai besoin? Je suis pas sûr de tuer avec. C'est ça le problème. Chance de crit et les dégâts. Les PV max. En vrai, chance de crit, je suis assez... Allez vous faire un café, là. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Pas de drama, s'il vous plaît. Je ne veux pas de drama, ici. Il y a bien assez de drama dans la vie, là, pour qu'on s'en rajoute là, quoi. S'il vous plaît. Créez-vous un serveur Discord. Moi, vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Et moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. C'est bien parce que t'es en PLS. Hein. C'est. Hein? Parce que sinon. Attention. Hein. J'ai laissé l'argent. C'était. Mais Albator, il cherche la bagarre. Je veux me déplacer plus vite. À la vitesse de la commu. La commu, je veux garder la commune. Mais jamais je pourrais le prendre. Je crois qu'en fait... Non mais... Filez-moi des armes. Des vraies armes. Des vraies armes. Salut Sajdal. Comment tu vas? Oh là là. Désolé Nat, hein, vraiment, c'est des animaux. Je suis avec des animaux là, ici. C'est terrible. C'est terrible. Un pistolet médical. Voilà, un petit pistolet médical pour le plaisir. Je vais garder mon argent. Pour voir si je peux pas... Ouais, ça va bien. Ça va bien. J'espère que toi aussi, en tout cas. Bon, ça va, il a pas l'air choqué. Il well, d'ailleurs. Hein. C'est Nat... Nat, on sait pas, hein. Nat, on sait pas. Obligé de le dire, hein, mais... pas envie de dire il tout le long que c'est elle peut-être ou yel hein, je sais pas.
Est-ce que Nat, c'est Nathan, c'est Nathalie, c'est Nanou, je sais pas. Salut Akiro. Bon, je te pose des questions un peu, voilà. Encore une fois, tu peux dire, c'est un secret. Je peux pas parler, j'empêche le streamer de parler. Et j'ai jamais dit ça, moi. Hein. C'est toi qui t'es mis dans la sauce toute seule, hein, Léa. Moi, je t'ai jamais dit de plus parler. Ça raconte celle-ci. 178, allez, la commu. Il y aura moins d'ennemis. Je vais tester, je veux tenter. Attends, je vais mettre un peu de vitesse pour pouvoir me barrer. Ah mais non, ça sera pas très utile en vrai. Bon, on va tester, on va voir. Il me reste combien? Ben voilà, très bien. Quand t'es loin, t'as juste le Nat qui est bon. Et du coup, je sais pas si je dois dire il ou elle. Oh putain. Excusez-moi. J'ai paniqué. Ok. J'ai bien fait de le prendre. Je me disais... J'espère qu'ils vont être moins en arrivant. Mais normalement, oui. Donc ça va. J'ai pas été puni. Mais ils sont là quand même. Hein. Il y en a encore. Hein. Les petits bats sont là. Il faudrait plus d'arbres, pour avoir plus de caisses. Toutes les patates sont différentes, toujours. Tu dis il, je dis il, d'accord. Ok. Mais je vais pas faire de... Histoire de bien dire les choses comme elles sont. Un peu de régène ou pas? Bon, de la chance, c'est bien. Bien la chance. Une déchiqueteuse aussi, c'est pas mal. Vitesse d'attaque. Ah, ça, remarque, c'est pas mal aussi. On peut prendre les deux. On peut faire ça. On peut combiner ça. Prendre ça. Ah non, on peut pas. Mal calculé. Est-ce que j'ai envie de prendre 15 de chance et 18 de récolte? La vérité? Peut-être, hein. Peut-être, hein. Avec plaisir, Nat. Avec le zizir. Mature 20. Pour moi, ça sera pas... Ça sera pas il, mais chéri. Merci. Il parle à Serdal, hein. Cherche pas. Je cherchais pas. Ah. Ouais, ok. Un peu de portée. Après, j'y vais. En vrai, ouais. Oh oui. Oh oui. Yamete. Dans la tête de Serdal, ça fait Yamete. Kurosai. C'est sûr. C'est sûr, on les connaît les deux là. Vous êtes beaux. Oh. Il a pop devant moi là, non? Heureusement que je me soigne un peu quand même. J'ai que 18 de vie quand même, faut que je fasse gaffe. Hein. J'ai un peu glace canonné là, un peu début là, attention. Hein. Bande de jalouses. Ah, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Votre idylle quand même, en fait rêver plus d'un et plus d'une, hein, c'est sûr. Il y a quelque chose, quoi. On se dit quand même, ça arrive pas tous les jours, ça. Et on est d'accord que c'est sur mon stream, c'est mon stream qui a été l'entremetteuse, non? On est d'accord. Ah mais j'ai pas d'armure en fait. J'ai pas du tout d'armure. Oui. Oh. Oh. Oui, oui, oui. Eh oui. Pardon. Revolver 2. Ça c'est particulier. J'ai peut-être faire ça. Oh mais non mais... Ah merde. Bon c'est pas grave. Un lance-flamme, ça c'est intéressant. On commence la vague avec un PV. Oui, oui. La chance, dégâts de mêlée, un dégât de distance en moins. Ouais mais là... ça fait beaucoup de chance. Mais pas beaucoup de tout ça. 22, bon oui, 7% de dégâts, bien sûr. Allez, on y va. Je suis toujours solo, donc t'es pas entremetteuse pour moi. Quoi? Je peux pas l'être pour tout le monde, tout le temps. J'imagine que c'est ça. Je veux pas attendre l'explication. Je travaille dur, tu sais, les là. Je me soigne rien du tout, là.
Je fais pas assez de dégâts. Ah putain, ils ont énormément de vie. Je me rends pas compte à quel point ils ont de la vie. Aïe 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 aïe. Oh là là, les 4 PV. Les 4 PV de la muerte. Vous êtes prêts? C'est maintenant, c'est maintenant, c'est le décès là, c'est le décès, on va pas se cacher, que, on va pas se mentir que je vais pas du tout assez de dégâts. Quel moment? À quel moment j'ai pris quoi? Pourquoi j'ai pris la max? Au secours! Des gains d'XP de ouf. Ah ouais, pourquoi pas? De la vitesse, oui. Alors j'ai besoin de faire des dégâts, on est d'accord. Toujours moins de portée, toujours plus de portée. J'ai peut-être, finalement j'ai pas besoin de ça. Ça oui, ça me plaît. Ça aussi. En vérité, il me faut... Ah, je sais pas s'il me faut des dégâts explosifs, là je sais pas trop quoi prendre là, j'avoue. Ça c'est bien. On va pouvoir randomiser une fois. Une fois. Et ça, je prends. Ok. Au secours. Ok, on va laisser comme ça, on verra. Et mort d'à cause des adversaires. Ah oui, non, mais je suis pas encore mort, je suis pas encore mort, Nat. Hein. C'est pas encore arrivé, hein. Je suis mort d'à cause. Mort d'à cause. Est-ce qu'il y a sur quoi le perso? Sur rien. Il scale sur rien du tout en fait. Il fait juste plus de dégâts contre les boss et les ennemis lâchent 200% de matériaux. Par contre, il y a beaucoup de moins d'ennemis, les ennemis ont beaucoup de santé et ils font beaucoup plus de dégâts. Les ennemis font beaucoup plus de dégâts donc c'est la merde. C'est la meude. Donc là, faut que je fasse masse dégâts. Eh ben. Salut Rustic! Bon, ça va. Voilà, je fais pause parce que je sens que je peux mourir à tout moment. Tu connais un peu le jeu, Nat? Du coup, j'ai l'impression que oui. Je sais pas si tout à l'heure tu m'as proposé le revolver parce que tu connaissais ou parce que tu avais envie de voir un revolver. Mais dans les deux cas, c'est ok. Hein. Je me suis pris une cartouche là. Oh là, oh là, oh là, calmez-vous, 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 calmez-vous. Et mourrez, s'il vous plaît. Décédez gentiment. Heureusement que j'ai un peu de vitesse, parce que... Ah, mon Dieu, c'est beau. Merci beaucoup, Rustic. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le resub. Merci. Merci beaucoup. Merci, Rustic, pour ce troisième mois. Trois mois d'affilade. Quoi? Comment ça? Il est chaud ce jeu, franchement. Quoi? Mais Albator, il faut que tu le fasses. Hein. Faut que tu joues à ce jeu. Je laisse le tel sur Twitch, mais je vais me rendormir. Ok, Léléa. J'espère que ça te fera un beau radio dodo. Sache que je fais un semi-glass canon. Je sais que pour toi, c'est rien, mais... C'était pour voir le revolver, Nat. Bah écoute, ça marche. En tous les cas, c'était très bien. Ok, 404. L'erreur 404, non. des dégâts, du vol de vie. Non, on a zéro vol de vie. On n'a pas d'armure, par contre il nous faudrait de l'armure en vrai. L'armure? Putain mais... Ah non vraiment le jeu me troll. Bon, on va mettre de la vitesse d'attaque. Toujours pas? Il se fout de ma gueule. Vas-y, 31 de vitesse ça sert à rien, qu'est-ce que j'ai foutu? Mais j'ai tellement de... Mais il me file zéro. Il me file zéro. Il me file zéro truc. Je suis deg. Alors attendez. Attends, mais ça sert à quoi? Vol de vie 38%. Je sais pas en fait. Attends, qu'est-ce que je fais? Je mets deux bleus. Ouais, vas-y, on va mettre deux bleus. Le pistolet mitrailleur, je suis pas sûr. Par contre, il me file plus du tout. Plus du tout de revolver. La déchiqueteuse du fion? Mais non, mais. C'est sur Steam, oui tu l'as sur Steam. Mais pourquoi la déchiqueteuse elle fait quand même quelques dégâts de... Ouais mais c'est vrai que ça sert à rien. Bon on va voir, je vais voir un peu ce que je loot là. Ah ben voilà.
Évidemment, bon, là, je vais mettre le revolver, alors. Recycler. J'aurai assez ou pas? Oui. Il me file... Ah putain, ça, je le veux. Je le veux, ça. Je veux revenir à moins 0 d'armure. Allez, moult revolvers et des pistolets médicaux. Pour le bruit. Pour le sound design. Le sound design de l'amour. Je suis à fond cyberpunk. Ah ouais? De quoi? De cyberpunk 2077? Ou dans l'univers cyberpunk tout court? J'imagine que c'est cyberpunk 2077, mais cyberpunk, c'est pas que cyberpunk 2077, alors je demande. Je veux dire, voilà quoi. Ah, c'est cool d'avoir de la vitesse quand même. C'est un gameplay la vitesse, gameplay vitesse. Le gameplay vitesse, je fonce dans les ennemis et je meurs dessus. 2077, mais je veux bien qu'on me TP là-bas, hein, en vrai. T'es vrai, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ça soit la joie, ça, en vrai. Ouais, ouais, je pense que t'es quoi. Enfin, c'est possible que ça soit... C'est chouette parce que tu peux sauvegarder. Mais voilà quoi. Pas sûr que ça soit si... c'est Gotex... Ah, je sais pas. Je sais pas, moi je sais pas si... Je sais pas si ça me plairait. Dégâts à distance... ouais, moi la vitesse ça va aller là. Vous avez pas un peu de... Des PV max, ouais. J'avoue. Des dégâts... Je pourrais avoir... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais fous-moi la paix. Mais quoi? Des collabs? Une collaboration? Oh là, mais tout le monde veut travailler avec moi là, c'est pas possible. Hein. Calmez-vous. De la vitesse, des chances de crit. En vrai, les chances de crit, c'est bien. Hein. Un petit pistolet médical. C'est pas ça qui fait les dégâts, mais moi je veux ça déjà. Est-ce que ça veut dire... Là j'ai 43%, et là j'ai combien de pourcentage? 48, moi ça vaut pas le coup. Ça fait un peu... Ouais, quoique, il faut bien que je les fasse évoluer. Oh, quoi? J'ai envie de le prendre, mais c'est pas le moment. Ah oui? Bien sûr. Je vais garder mon argent, je vais rester là-dessus. Moi j'ai toujours pas fait hein, cyberpunk. Vous le croyez vous? Vous le croyez vous? Toujours pas fait. Pas vu, pas pris. Je l'ai hein. Je l'ai mais je l'ai pas fait. Il y a tellement de jeux que j'ai et que j'ai envie de faire et que JPP quoi. Que JPP de vouloir faire. Là mais c'est... c'est Jack le... Le pistolero quoi. Bon même si là mon style ressemble à absolument à rien, on dirait que j'ai un bonnet électrique de feu, de colère, je sais pas ce que c'est. Je ressemble plus à un Pokémon qu'à un personnage de western, mais bon c'est pas grave. J'ai quand même mes revolvers. Ok, 460 ça va en vrai, ça va. Oh, de l'armure, oui. Je génère une tourelle qui tire des balles perçantes. Moi, cher co gratuit, mais je préfère prendre l'argent en vrai. Vous voulez pas me filer... Ouf. Un truc quoi. Ah, quoique la vitesse, c'était la vitesse d'attaque aussi. Il me file jamais de l'armure. Mais si, super. Est-ce que je le retente? Je suis un peu cooking. Je suis un peu cookie, hein. Contre les boss et les élites. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Toujours moins d'esquive. Ah. 3 dégâts à distance, quand même, ça fait le café, hein. Ça, j'aime bien. Et ça, j'aime bien. En vrai, ça aussi, hein. Ouais, mais j'aurais plus de chance. Ouais, c'est parce que c'est la vitesse d'attaque aussi. Un mode spécial Julie. Ah quoi, il y a des modes... Oui, forcément. Il y a des modes sympas. Ah, mais je sais pas quand est-ce que je le fais. Mais non, mais ça aussi... Non, mais là, pour l'instant, j'ai une sponsor... Non, comment on dit? Je sais même pas comment on dit. J'ai pas une sponsor, mais j'ai une...
On m'a proposé une clé. Aïe 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 aïe. Oh là là, ils font tellement mal. Il y a un boss là, c'est ça? Il y a Jean-Mich le boss. Qu'est-ce que j'essaie de le tuer moi? Essaie de survivre mec. Mais pourquoi j'ai l'impression de me traîner le cul alors que j'ai 30 de vitesse? What is this connerie? Quand je suis pas du tout en train de ramasser du pognon. Laissez-moi passer. Les petits bats. Là vraiment, si j'arrive à survivre, ce sera déjà très très bien. Oh, je lui fais pas de dégâts. Hein. Ah mais ça veut dire que les boss aussi. Les boss aussi, ils ont masse vie. Ah oui, je l'ai. Ah, boum, il marche sur les mines. Il le fait exprès. Je n'ai pas d'autre explication. Oh, j'ai cru que j'avais canné. Non, au secours. Heureusement qu'il y a... Combien? Je sais plus combien. Combien? Avec Vortex. Oh là là là, ça y est, ça sort les... Ça sort les bails. De l'esquive, peut-être un peu d'esquive. Hein. C'est vrai que j'ai zéro d'esquive là, je prends tout. Je prends tout dans ma mouille. Dans les stats, tu as dégâts à distance et dégâts normaux à droite, Albator. Oui, mais tu vois peut-être pas, regarde. Dans tous les trucs, tu vois, t'as les dégâts de mêlée, dégâts à distance, dégâts élémentaires, ça c'est les dégâts de base, et t'as tes pourcentages de dégâts. Pour tous les dégâts en fait. Ensuite, tu joues sur la vitesse d'attaque et les chances de critique. Les critiques, c'est quoi déjà? C'est plus de dégâts, mais ils te disent pas combien. Je sais pas si c'est deux fois plus, peut-être. Un truc comme ça. L'ingénierie, c'est quand tu as des toiles, des trucs du style, des objets en fait qui font des dégâts à côté de toi. La portée, bah, c'est jusqu'où tu peux tirer. Ce qui est assez intéressant, en vrai, quand tu joues à distance, évidemment. L'armure, c'est les dégâts en moins que tu peux prendre. L'esquive, c'est les chances de pouvoir esquiver un coup. Quand t'es à zéro ou quand t'es négatif, tu prends tous les coups. Dès qu'il y a quelqu'un qui t'attaque, tu prends un coup forcément. Ta vitesse de déplacement. La chance, c'est la possibilité d'avoir des meilleurs loot dans les par terre et pas seulement pour la portée, ça augmente la recharge aussi. C'est vrai. La portée, ça augmente aussi la recharge. Temps de recharge des armes. De mêlée. Plus exactement. Et du coup, ouais, y a un truc avec des armes de mêlée ou les armes au cac, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Bon, je vous cache pas que je suis mal barre là. Ah, ou 16% de dégâts, c'est beau. En vrai, 16% de dégâts, c'est beau, mais 3% d'armure, c'est plus beau. Mais 9 PV max aussi. Ah. Ouais. Ah bah tu vois, on a eu la même idée, c'est beau. C'est pas mal. Chance de crit. Un peu de régène. En vrai... Moi j'ai besoin de ça. Et ça je sais pas si je le prends. Je sais pas si je le prends parce que... J'en ai besoin, il faut que je fasse les dégâts. Ouais, tu vois, Kiro, j'ai hésité vraiment avec les dégâts. Bon, les PV max, je pense pas que c'était... Ouais. Ouais, c'est vrai que les gros dégâts, c'était beau quand même. Hein. Des bisous, Serda. Bon truc, alors. Bon truc à toi, et à tout à l'heure. Enfin, à tout, en tout cas, à plus tard. Non, ce pistolet médical ne sera pas... Si, quoique, en même temps, ils font combien de dégâts? Ouais, c'est 9 dégâts de plus, c'est pas fou. Hein. Faut que je trouve d'autres trucs. Eh ben, il n'y aura rien. Arrête parce que ça coûte trop cher tout ça. Eh merde. Est-ce que je vendrai pas lui pour avoir un revolver? Je crois que oui. Hein. Il me faut des dégâts. Attends, je vais essayer la technique de Akiro. Je reste au milieu. Et je vois ce qui se passe, et après je récolte à la fin. Le problème c'est qu'à la fin, c'est là où il y a tout le monde.
Le gang des trucs. le gang des queutrues. Ah, je peux pas rester au milieu. Et voilà, 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 je regarde le chat et je vois pas qu'on me fonce dessus. Genre là, là, je récolte. Et j'essaie de rester en vie. Le 1 PV. Oh, le 1 PV, vous l'avez vu? Tu t'es pas fait submerger comme tout à l'heure? Si. Si, si. Un peu quand même. Dégâts distance, de la portée, de la vitesse d'attaque en moins. Ouais, ah, ok. Du vol de vie. Putain, mais de la régène, non, mais je prends des dégâts. Hein. Moins. Alors oui, mais écris les mots alors. Écris les mots, les vrais. Ah, c'est quoi ça? Réduit le temps de recharge des attaques de vos structures. Et Myrte, ça ne sert à rien. Ah, revolver 2, oui. Oui. Non, je vais pas prendre un appât. Hein. C'est trop dangereux. Libérez-le du malin. Mais non, mais c'est toi qui écris. T'as écrit, t'as pas écrit moi, hein. Fais pas genre, hein. La vitesse d'attaque. Génère une tourelle. En vrai, ça, c'est pas mal, hein. Mais non, je veux des dégâts. Genre ça, c'est bien. Moins de régène. Par contre, plus aucune régène. Ah, je vais le garder quand même. Plus d'ennemis? Ah, peut-être plus d'ennemis en vrai. C'est un peu couillu, mais pourquoi pas? Plus d'ennemis, c'est plus de pognon. Là, c'est pas trop gênant, je crois. De toute façon, ils sont déjà nerfés. Bâtard, je les déteste là. À ceux qui font les bouboules là, je les déteste. Aïe, 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 aïe. Oui, j'ai foncé sur la boule, oui. I know, I know. En même temps, je peux pas remettre en question tes suggestions, Akiro. C'est pas possible, j'ai pas le droit. Je veux dire, tu as prouvé au monde entier que tu étais un spécialiste de Brototo. Je peux pas. Portée d'attraction, mais toujours moins d'esquive. Bon, de toute façon, à être négatif, autant jusqu'au bout du négatif. PV max, peut-être un peu. Ouais, allez, bon. C'est vrai que les dégâts, bon, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais regardez, on en prend là. Ok. Oh, la commu. La commune. J'ai pas déjà une commune? Mais oui. Encore plus de vitesse d'attaque. Toujours plus de vitesse d'attaque. Moins 6% de dégâts. Non, ça c'est fort quand même. Je vais plutôt prendre ça. Je sais pas, double commune, c'est ça? Non, je crois pas. Oui, la vitesse. Bah, je suis pas sûr. Vitesse d'attaque, quoi. Putain, ça me chatouille le nez, désolé. Tu es le mal. Rebûcher. Ok, ok. Allez. Allez, allez, allez. Vague 15, c'est que vague 15, on est déjà en... je suis déjà en sueur là. Je suis déjà en sueur du huc. C'est pas bon signe ça. Salaud! Mourrez, communiste! Mourriture de communiste! On fait pas de politique ici, hein. On fait que des refs. Des refs cinématographiques. Hein. Merci de rendre à César ce qui appartient à César et de rendre son contexte à qui appartient le contexte. Ah non, les petits bats des bouboules, les petits bats des bouboules, aïe. Ils foncent dedans aussi, forcément.
récupère Rin là. Ok, ok, ok. Du vol de vie. Ouais, c'est gratuit. De l'armure. Ok. Dégâts à distance, y'a pas mieux? Chance de crit. Ah, tu peux mieux faire. Quoique. Allez, je le prends. Non, je le prends, je le prends. Et les 101 au ferme, c'est... Oui, t'as vu ça un peu? Il est... Quoi? Lance-flamme. Non, non, mais non. Non, ça marche pas. C'est beau, ça. Les vitesses des ennemis. Un escargot. Là, c'est pas mal, ça. On va les calmer un peu. Pistolet médical, on s'en fout. Plus aucun revolver, quoi. Zéro revolver, les mecs. Je suis excessivement déçu. Je suis sans dessus-dessous. Nom de Zeus. Allez, mais filez-moi des trucs. Oh non. Un lance-patate. Ah, quoique. Dis-donc, ça envoie le lance-patate, en vrai. C'est normal, ça? 26. C'est la mitraillette, là, un peu. Ah non, 0,26. Ouais, mais il s'y recharge, lui. Il recharge en 2 secondes, quoi. Je me demande si c'est pas mieux, ça. Ah! Est-ce qu'on se prendrait pas un petit lance-patate, là? On combine ces deux, là? Vas-y, on teste. Je vais tester. L'erreur? Et moins d'ennemis. Plus de récolte et moins d'ennemis. Non. Ah, quoique. J'ai peur. De l'esquive, bon, voilà. Troll. Qu'est-ce que... Ah, ça c'est bien. Mais peut-être ça c'est mieux. Je peux prendre. Je peux prendre les deux, remarque. Mais je voudrais garder un peu de pognon. Non, je vais prendre les deux. Je vais pas commencer avec un PV, non merci. On va voir, on va voir. On va voir. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec le lance-patate, ça fait pas non plus des dégâts de dingue, mais ça permet de tirer tout le temps. Ça met à distance. Donc il y a moyen. Je laisse les caisses par terre et les biscuits. Hein. J'ai quand même pas mal de dégâts. Dégâts à distance. Ah non, j'ai que 13 de dégâts à distance, c'est pas fou. 75% de dégâts, ouais, c'est pas. Il a gagné le streamer. Attends, on n'a pas encore là-haut. Qu'est-ce que tu racontes? Il a gagné quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu au milieu du tout, de tous les rouges là. C'est les pires, eux c'est les pires. Hein. Pourquoi j'ai l'impression de me traîner le cul alors que j'ai plus de 20 de vitesse? C'est très très bizarre. Non, je vais canner. Ouais, je vais canner. Ah, je pouvais rien faire là. Je pouvais rien faire. Ah, oh, c'est dur. C'est vraiment très très dur. Faut glace canonner à donf quoi. Pourquoi y'a pas d'emote et qui casquette? Mais parce qu'on la loot pas. Je pourrais, c'est vrai que je pourrais la mettre. Mais je joue pas. Il faudrait que ça soit un truc qui reste tout le temps, tu vois. Après, quand on jouera plus à Brototo, l'emote il servira plus à rien. Ou alors, quand on fait une... Toss a coin to Eki. J'avais même pas vu Rusty, pardon. Retourne au menu principal, nouvelle partie. Ah, d'accord, oui, c'est ça. Bon alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Je vais tenter la lance de joute, j'ai envie d'essayer. Juste pour rigoler. On saurait l'utiliser, ouais j'en suis sûr. Plus de chance, moins de dégâts. Ouais, j'en connais une qui le mettra pas. Hein. Dire mais quel est l'intérêt de cette diablerie? Facile. Un peu de régène, ouais. Peut-être le sceptre, mais non, ça servira pas. Hein. Ah, la récolte au début, oui, c'est vrai. Le café, plus de, plus de vitesse d'attaque, eh oui. Mais t'avais jamais vu des parties de...
Mais, ouais, mais je sais pas si je les tue, ils ont 250% de vie en plus. Ouais, j'ai hésité, bon, ok. On va garder les dégâts. Hein. Une fois, j'ai rejoint Serda dans un chan où il coachait quelqu'un. J'oublie le nom, c'est Flora, j'imagine. Mais sinon, j'ai jamais vu. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est rigolo. Pourtant, on en a fait souvent. Mais peut-être c'était avant quand même que vous arriviez, Maggie et toi, je pense. C'est Flora, ouais. Tu me parles mieux, Akiro, s'il te plaît. Oh, le mec. Le mec. Il s'est pris pour... Tu serais pour qui, là? Il me donne des ordres, en plus. Vouloir diffuser, j'ai juste voulu espionner tranquille. Ah. D'accord. Ah, c'est vrai que le jeu est pas évident. Le jeu est pas évident, en vrai. Mais je sais que vous écrivez vite. De la portée. De la chance. De la récolte. Non, je veux de la chance. Je préfère la chance, là, pour le coup. La dégâts d'explosion. La portée. Ouais, d'accord. J'y suis pas du tout, en fait. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Putain, mais des fois, le... Je crois que je dois m'endormir sur le bouton et du coup, il clique sur tout. Sceptre lapin. Bah oui, mais c'est ce que je voulais faire. Ok. J'ai gardé le lapin. Quel enfer. Non, quoi? Mais il m'en faut pas deux. Mais si, il faut que je les combine. C'est pas efficace, sinon. Il n'y a pas d'ennemis. Jamais. Mais il n'y a pas d'ennemis, Akiro. Déjà, s'il arrive à en tuer 18, ce sera très bien. Avec deux, jamais ils tueront. J'aurai jamais. Ça popera jamais la vie. Tu comprends? Y'a pas d'ennemis. S'il y avait des ennemis normaux, oui, je l'aurais pas fait, mais là, y'a pas d'ennemis. Non, tu crois pas que c'est. Si? Non? De la portée, dégâts distance. Mais le problème, c'est que là, on est plutôt parti sur de la mêlée normalement. Moi, je veux faire du... Je veux faire des combats de chevalier. Voilà. Mais merde! J'ai pas de pognon. Putain, j'oublie que j'ai rien du tout. C'est pas grave, je vais garder mon argent. Surtout, je les tue pas, quoi. Aïe! À la distance, c'est chaud, hein. Vu que je prends des grosses cartouches... je veux dire, au corps à corps, c'est tendu, parce que je prends des cartouches de... La musique est cool, ouais. La musique du jeu est cool, ouais. Mais arrête! Je leur donne des coups de boule! Je fais n'importe quoi. Un peu de PV max, du vol de vie. Il y a rien qui me plaît là-dedans. Dégâts de mêlée. Allez, un peu de dégâts de mêlée. Des chances de crit, de la chance et de la portée. Un autre sceptre fantôme et j'y crois pas trop. Après, j'aurais peut-être pu prendre notre sceptre. Pourquoi pas? Je crois que ça m'enlève de l'armure. Ce qui est pas forcément hyper... Donc quand je bouge... Et quand je m'arrête... Ah oui, je suis à moins 33% de dégâts. Ça déconne zéro, hein. Donc ouais, faut pas que j'arrête de bouger avec lui, quoi. Avec les trucs de joute là. Est-ce que je gagne des PV max au moins? Même pas sûr, hein. Même pas sûr que ça marche. Juste avec un seul. Un peu d'armure, je dis pas non. Vu les cartouches que je me prends.
Moins de portée, ouais. On randomise. Des chances de crit. Les mi... Non mais j'y suis pas du tout, hein. J'ai pas la... Hein. Prends tout. Prends... mais quoi? Quoi? Ça fait un rôle... Ah oui, j'aurais pu tout prendre, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait un rôle gratuit. Chance de crit. Bon, juste prendre ça, j'y vais. Mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de faire ça. Quand il reste qu'un seul objet, autant prendre l'objet, puisque tu l'as pour moins cher. À part si vraiment c'est pourri et ça remet tout en question, mais ça met tout ton bide en question. En plus, ça fait des dégâts. C'est pas mauvais, même si tu joues pas ingénieur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas ce réflexe-là. Je me dis qu'il y a... Il y a peut-être mieux à prendre, mais bon. En sachant que c'était peut-être le dernier truc, je me souviens pas, mais j'imagine. On va voir, on va voir. Là, la vitesse d'attaque va être importante. Plus que tout à l'heure, je pense. En tout cas, du coup, vous voyez, les armes de mêlée ont tendance à... Ouais, il faut de la récolte un peu, c'est un peu tard, mais... Ah, pas mal, ça. Dégâts à distance, 8% de dégâts. Il faudrait des dégâts de mêlée, s'il vous plaît. Pas GG, mais... Ah, la poussée, sympa. Genre là, il faudrait tout prendre. Après, pourquoi pas, en vrai. Là, je garde. Et ça, en vrai, vu que je me prends des cartouches, ça peut être intéressant. Je pense, hein. Après, est-ce que je pars sur une hache ou un truc comme ça? Plus 6 d'esquive et moins 1 d'armure. C'est vrai que j'ai pas mal d'armure, donc c'est pas si gênant. Et ma hache, oui, Albator. Ne le dites pas ouais, à l'elfe. L'âge fantôme, c'est peut-être un peu tard. Bon, vas-y, j'avance. Pas forcément tout le temps. Si l'item est cher, vaut mieux reroll. Oui, ça dépend, ouais. Mais disons que là, c'était pas déconnant parce que j'ai quand même besoin de soins. À part vraiment si on se fait pas toucher, quoi. Comme dirait Léléa, si tu te fais pas toucher, t'as pas besoin de soins. T'as pas besoin de vie si tu te fais pas toucher. Ce qui n'est pas tout à fait faux, dans l'absolu. Du bois, en tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de freeze, enfin pas de freeze, mais de lag là sur le jeu. C'est cool. Je dis ça, il y en a un. Ah non, mais non. ça serait drôle, ça, quand même. On a fait deux sessions Brotato jusque-là, ça a pas lag du tout. Et pourquoi j'ai rien, là? T'avais peut-être une grosse vague tout à l'heure? Ouais, je sais pas. Ça ne compte quand même que pour un. Tout à fait. Le mec se donne un mauvais karma, mais grave. Un peu de vitesse de déplacement, j'avoue. C'est pas mieux quand même. La vitesse d'attaque. Ce serait pas mal en vrai. Allez. Ça c'est très bien, j'aurais dû prendre ça d'ailleurs. J'aurais dû prendre ça avant l'annulation des dégâts, je suis con. Qu'est-ce que c'est? Non mais qu'est-ce que c'est que ces numéros là de l'espace? Ça j'aime bien, j'ai pas beaucoup de PV mais j'aime bien. Allez, ok. Let's go. Ah mais j'ai pas regardé faudrait que je... Putain, je fais pas de dégâts en vrai. Non, c'est de la merde, ce build ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je fais pas de dégâts. Je crois que c'est parce que je m'arrête aussi. Non mais je mets beaucoup trop de temps à les tuer. Ça c'est plutôt un signe, hein. On se rappelle que quand on met du temps à les tuer à ce moment-là, là, plus ou moins, c'est pas bon signe. La vérité. En plus là, faut vraiment que je les colle. Aïe.
Ok, let's go. Merde, j'ai pas réussi à aller dans le tas au milieu là, c'est dommage. Vol de vie, régénération. Bah, j'en ai besoin un peu là quand même. Dégâts de mêlée, ça c'est beau. En plus de dégâts de mêlée, c'est pas mal. Des PV max, la régène. Ça j'aime bien, ouais. % durant la prochaine vague. 50% dégâts des ennemis durant la prochaine vague. Oh non mais là déjà... déjà que c'est la mort en poule. Est-ce que j'ai gagné des PV? Statistiques gagnées, 0. 0. Allez, ça dégage. Ça ne sert à rien. Tu vois, je te disais, même si j'en avais 2, ça aurait encore moins marqué. Ça aurait encore moins marché, pardon. Depuis le début, j'ai rien tué avec. Faut mieux grit pour remonter. Go quoi? Tu veux que je go quoi? Ça veut dire quoi go? Akiro? Le pound? Ah oui, d'accord. Moi j'ai envie de virer ça, ça sert à rien. Mais j'ai pas d'armes derrière, si je prends le pound, je peux rien acheter d'autre. Mais je vais canner là. Bon, le paon a l'air cool. Allez, le paon. Allez, je le prends. Je vais gentiment canner. Hein. Allez. On y croit. Il faut que je bouge en plus. Faut que je fasse des petits... Putain, mais ça y est, ça lag. Il n'y a pas de lag. je me suis fait karmaized by myself. Dites-moi pas que c'est pas vrai, quoi. Un autre niveau, putain, mais c'est ouf. Oh, meilleur choix. Bravo. Ça, je prends. De l'esquive. Putain, mais je vais me pimper de ouf. Alors, attendez. 5 niveaux, pas en rentable. Ok. Ok. Je dirais que l'esquive, là. L'esquive, c'est très très fort, je pense. Bon, je prends. Vitesse d'attaque, oui. Mieux? Est-ce qu'il y a mieux? Oui, il y a mieux. Des PV max, des dégâts en mêlée, oui. De la récolte? Est-ce que je roll ça là? Bof, hein. 8% de dégâts, peut-être. En vrai, je peux roll encore, hein. Peut-être roll encore un coup. 8%, c'est peut-être pas assez. Il y a peut-être un petit 4, là, au niveau 3. Faut que je prenne des niveaux 3, là, je pense. Encore un coup, hein. Ah, vitesse d'attaque ou armure? En vrai, on peut être tanky un peu, là. Ce serait pas mal d'être tanky. Mais bon, la vitesse d'attaque... La vitesse d'attaque. Défense ou... un hommage à Léléa. Allez, un hommage à Léléa. Qu'en pensez-vous? Ah pardon, je suis à 8 d'armure. Je suis à 8 d'armure déjà. Mais c'est vrai qu'un petit 11 d'armure, ce serait assez... c'est pas mal. Il y a pas mal d'objets aussi qui donnent des dégâts mais qui enlèvent de l'armure, donc... ça peut être pas mal. Salut Frizzato. Frizzato, pardon. Excuse-moi, excuse, si. Attendez, il trinque avec Frizzato. Salut, pas du tout. Hein. Je dirais armure, mais comme tu sens. Ok, ça me va. Et les chances de crit? Ah, de la régène peut-être aussi.
Merci beaucoup pour le follow, Fredato. Bienvenido. Je serais parti soit les crits, les chances de crit, ou la régène. Qu'en pensez-vous? Régène. C'est beau. Bravo. Bravo à vous, hein. C'était le beau choix. Je partirai là-dessus aussi. Les 8 PV max et un peu de régène, encore plus de régène, toujours plus de régène. Et de la poussée aussi, c'est pas mal. Peut-être qu'il faudrait tout prendre en vrai. J'ai pas beaucoup de chance, donc ça me fait un peu chier de payer 66 pour ça. C'est pas trop tard pour la récolte en vrai. C'est vrai? Ah, c'est pour me donner un peu d'espace quoi. Mais ok, ouais. Bon, je fais ça. Encore? Mais là, ouais, ok. Admettons. Bon, j'ai tenté un truc. Désolé, je suis désolé, mais avec le délai, si j'attends à chaque fois que je me pose une question, que vous me répondiez, c'est pas une critique par rapport à vous, vous y êtes pour rien. Avec le délai, du coup, la run, elle prend 1000 ans. Et il faut que j'apprenne aussi. Mais j'essaie d'attendre un peu parce que j'aime bien vous faire participer et jouer avec vous. Donc désolé si des fois vous répondez et il dit bah d'accord ok, je prends le temps d'écrire et il lit même pas. Il prend pas le temps d'attendre. Et je suis désolé mais c'est parce qu'après sinon c'est long. Et encore une fois c'est pas vous qui êtes long. C'est l'ensemble. Ok ok, non mais je préfère le préciser. Je préfère dire les choses pour rien que de rien dire du tout et être sûr... Et qu'il y ait une possibilité qu'on se comprenne pas bien. Ok, ok, on n'est pas mort. 3 PV max pour tous les 100 matériaux que vous avez. Je suis pas fan de ça. Je suis pas super fan et surtout ça m'enlève 5 de vitesse, j'ai pas du tout besoin de ça. Dégâts de mêlée. Bon, par contre, il me faut absolument... de shoot, merci. On va les combinaides. Moins 2 de vitesse, non. Mais 2, plus 1 d'armure, non plus. Mais y'a rien de bien là. C'est bien. Un petit ciseau, je dis pas non. Vous savez quoi? On va combinaides. Paf, comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est gratuit. Et c'est de la merde. Formidable. Ah, arrête d'avoir peur de baisser les stats. C'est ce que je veux d'abord. Mais non mais ça va, regarde là. Il en fait qu'à sa tête ce streamer qui attend pas une minute par item. Salaud. Ok. Aïe 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 aïe. On lui fait rien. Ah bah oui, mais en même temps, il a 4000 de vie. 4 millions, il a. Oula. Par contre, je sens l'armure en plus par rapport à tout à l'heure. Hein. Ça fait plaisir. Bon, on le tuera pas. Donc maintenant, on est en mode je survie, et puis le reste, on s'en balèque. Il fait quoi déjà? Ah oui, c'est vrai qu'il fonce. Il fonce dessus, ce bâtard. Excusez-moi, hein. C'est moi, mais un petit bat. Tolot, 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 tolot. Ouais, va dans un coin, ouais, c'est une bonne idée ça. C'est ça la vraie strat dans ce jeu, c'est aller dans des coins et se mettre dans un angle pour pouvoir canner. Pas du tout. N'écoutez pas ce que je dis, l'ironie est à son paroxysme. Toi, tu sens Albator? Comment ça? Tu sens Albator qui est en train de jouer, là il fait « ce jeu-là, je le veux, il me le faut. » Est-ce que je mets des crits? J'attends quand même un petit peu, vous avez vu? C'est sympa. Ah, MDR ça m'aide pas, bon tant pis. Je bof crit, ouais ok. Allez, va pour les dégâts. Toujours plus de dégâts.
Mais pourquoi je garde ça? Ça fait rien, ça. Allez, dégage. Tu mets. Attends, je vais attendre de voir si j'ai pas une autre arme. Depuis tout à l'heure, là, je fais n'importe quoi. Je préfère encore avoir ça. Ou une lance. Les mines. Ou alors c'est 500 balles. Personne ne me sentira ici, c'est compris? Ou alors c'est 500 balles. Et ouais. Go comme ça. Allez, ok. Je prends pas les mines? Ok. Je peux économiser aussi, c'est vrai. Mais vous m'avez dit de dire hardy. Vous m'avez dit de prendre les mines. Mais pas à chaque fois. Vous m'avez dit de dire hardy. Et vous allez canner, oui. Vous allez canner, Guillaume, oui. On dit monsieur Guillaume. On a combien d'esquives, là? 21% d'esquives. Ah, je le sens un peu, quand même. C'est ce qui me manquait, je crois, sur la run précédente, au final. J'ai un peu trop glace canonné et je l'ai vraiment senti pas cèd. Là, je peux un peu plus jouer, je peux pas me permettre de pas avoir d'esquive en corps à corps. Oh mon Juju! Oh Juju, oui! Il est là! Là c'est pro! Il est là, Juju! Comment ça va mon Juju? Ça fait plaisir de te voir! Oh! Et dis donc, on est inquiet presque, oh. Et tout le monde veut me toucher, je crois. Ça c'est la rançon de la gloire. Hein. La rançon de la gloire, ça. J'ai pris l'esquive, j'ai cliqué. J'ai vu Juju, j'étais tellement content. Comment ça va mon Juju? Ça fait plaisir, hein. Réseau passe plein, Juju. Et que tout le monde roule pour le toit, oui. Ah. Oh mais quand même, on n'a pas de nouvelles de Juju. J'étais inquiet. Ah, c'est plaisir. Raconte-nous Juju, je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Toute ma vie. Je veux savoir toute ta vie. Toute ta vie, ok? Alors. Système médical. Ça farte. Ça va bien, ouais. Ça va bien, en tout cas, de notre côté. De mon côté, en tout cas, je vais parler pour moi, déjà. Ça, c'est bien, ça. Comment ça, j'ai pas assez? Ah, je sais pas. J'ai envie de prendre ça, là. J'en ai besoin de ça. J'en ai besoin. Est-ce que je vendrai pas ça? Est-ce que ça sert pas à rien? De savoir que j'ai découvert un nouveau contraceptif? Travailler en tant qu'animateur. Voilà. Là, c'est pro. Ça, c'est pro. Excellent. Elle est très très bien. GG. GG à toi. Est-ce que je vends mes ciseaux pourris? Non, en vrai, il faut que je le garde, mais au tour d'après, attention. Hein. Je prends ces ciseaux. J'ai envie de vendre ça. J'aurais pas dû les prendre tout de suite. J'aurais dû attendre un peu. Ok, Albator. À 18. Enfin, tout à l'heure, quoi. Garde elle. Tu crois? Mais j'augmente ma portée. Pourquoi je garde les ailes, en fait? Vu que je joue à... Mais attends, je comprends pas. C'est moi la portée, je la comprends pas, en fait. Une portée plus faible diminue également le temps de recharge. Les 10 de vitesse. C'est incroyable. Oui, c'est vrai, mais 30 de portée. Bon, après, on a moins 47, on est d'accord, mais... Bon, ok. Allez, je vends ça. Je prends ça et je me casse. Je préfère.
C'est bien la portée à en mêlée. C'est là où je comprends pas bien le truc de la portée. Moi j'ai l'impression que ça augmente le temps de recharge des armes. C'est-à-dire que ça diminue ma vitesse d'attaque, non? La portée. Au final. Aïe. Mais arrête de t'arrêter, mec. N'oublie pas. Tu fais moins de dégâts si tu t'arrêtes. C'est le gameplay. Le gameplay du mouvement. Il faut suivre. Putain, faut que je me casse d'ici. Ça commence à être tendu là. Ça commence à être un petit peu tendu. Un petit peu tendu du string. Je vous cache pas que je serre un peu les fesses là. Ouf. Tu peux taper plus loin. Ok. Genre là, je rajoute 45 de portée. Ok. Je peux pas tout prendre hein, si. Hein. Je peux pas tout prendre. Hein. Ah si, je peux tout prendre. Moi je voulais ça. J'ai pris la portée, t'as vu, j'étais sage. Hein. J'écoute. Hein. Ça par contre, ça me plaît, mais bon. Si quand même, ça fait mal. Ils sont où les petits bats? Je cherche les petits là, les petits qui font des bouboules. Tiens, tu feras pas tes bouboules. Ils sont où là? Je sais qu'ils arrivent là, bientôt là, ils sont où? Ah, t'es vu là. Partez pas là, revenez ici. Ah oui, d'accord. Mais en fait, la portée, c'est très fort. 275 heures de jeu plus tard, il découvre encore des features. Par contre, mon esquive est proche de zéro. Hein. Il fut un temps où j'avais une esquive de Matrix. Merde, j'ai pas réussi à prendre le tas au milieu, là. Toujours plus de portée, plus d'armure. En vrai, vas-y. Portée, vitesse d'attaque, oui. Salut sanglier. Évidemment, hein, je parle ton langage. Je parle ton langage. Ok. 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 Armure, bon choix. Merci. Royal Bator. Oh, c'est un petit truc. T'avais un truc à faire, mais toi, t'avais un petit truc à faire. Tant que vous êtes immobile. Non, ben non. Ah, ben non. Sûrement pas. Toujours plus de portée. Ok. Je faisais chauffer ma bouffe. Ah, c'est bientôt midi. Ah ouais. Ah, ça fait un petit moment qu'on est là. Hein. Allez, vague 15. Est-ce que ça va être le bon? Est-ce que la joute de bœuf? Est-ce que ça sera la joute de bœuf, la victorieuse? Est-ce que j'ai fait cette blague? Oui. Je fais toujours pas assez de dégâts, hein. Oh là là! Oh là là! On fait pas assez de dégâts toujours. Oh là là, les bouboules là. Voilà, c'est pour ça, il faut pas les laisser proliférer ces trucs. C'est comme les lapins quoi. Après, ils en font partout. Alors, je dis pas qu'il faut pas laisser proliférer les lapins, les pauvres lapins. Bon. Mais voilà quoi. Vous avez compris l'idée, c'est une métaphore. I'm not a braconhead. Vous savez, vous avez vu comme quand je vois un braconnier dans Hogwarts, je vais l'ossir. Ça a ramé là. Il est où? Il y en a partout là. Il y en a partout. Oh là là, j'ai quel perso? J'ai Jack. Un nouveau perso. Ah non, je le veux pas. Eux, je les veux pas. Hein. Persiflette de Galle. Non. Je veux pas ça. PV max, 8% de dégâts. Il en a gros. Tu peux y aller avec sanglier, c'est un adepte. Hein. Le vol de vie. Avec un build cac. Alors le truc c'est que, sache que le vol de vie c'est 3% de chance de faire un vol de vie. Et le vol de vie c'est pas 3% de tes dégâts. Hein. C'est 3% de chance de te soigner de 1.
3% de chance en plus. Là, j'ai 3%. PV, moi aussi, j'aurais. Je serais parti sur les PV. Et la vitesse de déplacement, peut-être. Peut-être. Ah, alors, c'est de la merde et c'est pas de la merde. C'est-à-dire que t'as des objets, quand même, qui ont du vol de vie de base. C'est-à-dire que ils ont, par exemple, 40% de vol de vie. Et c'est vraiment des objets spécifiques pour ça. Par exemple, les ciseaux, là, c'est pour ça que je les ai pris, ils ont 40% de vol de vie. Mais si tu rajoutes du vol de vie, c'est pas mal. La vitesse de déplacement est pas si mal, ouais. Ok. Ok, je serais parti là-dessus aussi. Ça, on peut mettre. PV max, dégâts de mêlée, moins de vitesse d'attaque. Ça peut se faire. Le reste ne me plaît pas vraiment. Les couteaux, peut-être. Peut-être un petit couteau. Petit couteau. Peut-être que je combine ça. Je pense pas combiner les ciseaux. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'en ai besoin, mais je suis pas sûr. Alors, je combine les ciseaux. Ah ouais, c'est ça. On va faire ça. Est-ce que ça fait quoi? De l'armure et de l'esquive. Pour du médiéval. Ah, j'avais pas vu que c'était médiéval. Faut que je vérifie ça. C'est pas le genre de dueliste. Alors non, le perso, il fait ça. Il fait plus 50% contre les boss. 50% de dégâts contre les boss. Plus 200% de matériaux lâchés par les ennemis. Ça, c'est très cool. Hein, jusque-là, tout va bien. Par contre, il y a 75% d'ennemis en moins. Ça veut dire que donc tu lootes moins de choses. Mais bon, vu qu'il lâche plus de matériaux, tu peux t'en sortir. Par contre, ils ont 250% de santé en plus. Et ils mettent 50% de dégâts en plus. Voilà. Voilà. C'est pas fou. C'est pas mal, mais c'est pas fou. 62 et 66. Bah, autant avoir 62 en vrai. Toi, tu prendrais pas de couteau? D'accord, ok. En vrai, c'est vrai qu'il fait que 66 de dégâts. Et ça fait 62 et ça soigne. Quand même. Le dualiste, du coup. Vu qu'il y a moins de mobs, mais qui sont OP. Ah, d'accord, ok. Mais tu vois, je me souviens plus ce qu'il fait le dualiste en même temps. Il a l'air drôle comme perso en vrai. Oui, c'est. En vrai, tous les persos sont vraiment très, 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 très drôles à jouer. Je trouve ça trop bien. Ah! C'est quoi la Tentaku, là, ce? 3% de chance critique, 20% de chance de récupérer un PV en tuant un ennemi avec un coup critique. Pas mal ça, ça me plaît ça. Je vais le prendre. Hop. Ça, moi. Est-ce que je... Alors. C'est ça, j'ai pas mal d'armure. Hein. Combien j'ai d'armure? 16. C'est énorme. Voilà, là c'est pro. En fait, avoir 6 spirales, ce serait mieux. Les spirales? Les lances de joute? Est-ce que je me prendrais pas un bouclier pour être RP? Et je prends ça aussi. J'aimerais bien prendre les deux là. En vrai, je pense que je vais prendre ça. Coucou Poney, comment ça va? Bienvenue. En vrai, j'ai envie de prendre ça. Je vais me prendre les deux là. Pour jouer RP. Je combine les ciseaux. Rebug de co. Ah mince. Le casque, c'est bien, ouais. Est-ce que je prendrais pas un petit bouclier pour le RP? Après, bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Non, bon, d'accord, ok. Eh ouais, bouclier, pas mal. Allez, d'accord, ok. C'est médiéval, mais c'est pour ça. Allez, je combine. Je prends ça et ça. Et j'y vais. Là, c'est RP. Là, je me sens vraiment chevalier. Chevalier de Provence, quoi. El famoso chevalier de Provence. Provençal le gallois. Le fameux Percival Rackham le rouge le gallois. On sait plus. Alors on fait la moulinette. On fait la moulinette. Toujours en mouvement. La joute du chevalier. Regardez cette danse. C'est la danse du chevalier. La danse de Saint-Guy du chevalier. Oh là là, ils font mal. Les tentacules, ça pop un peu, non? Oups, j'avais pas vu ma vie. Ma vie qui baisse. J'ai la vie qui baisse. Et un jour, ce sera la vue, hein. Vous allez si vite. Mais ils ont tellement de vie, bordel, quand ils ont une armure. Toi aussi, tu veux qu'on te considère en tant que tel? T'es encore un peu couturier avec tes ciseaux, là. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, je prends. Tellement pas de chance. Un bouclier ici, non. Ah, mais est-ce que j'ai des brûlures aussi dans la précédente run, non? Non, si. Allez, ok.
Vent ciseaux. Attends, j'attends d'avoir une vraie arme. Tu veux que je mette ça à la place du bouclier? Ah mais ciseaux, ça met 60, ça met des dégâts quand même. C'est médical, c'est presque comme médiéval. Non? Super. Non mais à la place de bouclier dégueulasse, non. Tu veux que je mette un bouclier dégueulasse à la place de ça? Je veux mieux, je veux des spirales. Oui, médiéval 6. Mais non, je veux pas moi. Oui, d'accord, mais bon. Ça c'est médiéval, non. Mais moi je veux... Ah. Pas mal la déchirure, tu fous ma gueule ou quoi? C'est plus que pas mal. Un tracteur, c'est médiéval aussi. Non. Non, non, c'est pas bien compris. Bon, ça oui. Évidemment. Armure. Toujours plus d'armure. La plaque aussi, c'est bien. Je me demande si le missile... Mais la vitesse d'attaque, c'est important, en vrai. Non, non. Je vais rester là-dessus. Bon, pour l'instant, je reste là-dessus. Tu vois, il faut pas que je le vende, là. Si j'avais vendu le ciseau, j'aurais une arme à moins. Ça aurait été terrible. Mais je suis d'accord, ok. Prochain, dès que j'ai une joute digne de ce nom. Mais d'où vous cannez pas, là hein? D'où vous cannez pas? Putain, j'ai la gigite, quoi. Le mob de la gigite. C'est le perso de la gigite. Mais canné? Guillaume, là, Guillaume, viens mettre... Viens mon secours, viens mon secours, Guillaume. Ouais, c'est que des fois, je suis obligé de m'arrêter, vu que... Voilà, voilà, voilà. Voilà. Faut que je récupère des ressources aussi. Et casse-toi. Je tue personne là. Alors je suis bien protégé, mais je tue personne. À part quand je... J'ai cru que j'étais mort. Au secours. À chivalerie. C'est pas drôle hein. Pas mal là, ta déchirure. Ah ouais, j'ai failli me faire une déchirure du des ischios là surtout. La portée. Toujours plus de portée. Toujours plus d'esquive hein, moi je dis. Random. J'ai 1200 heures sur Mordo. Alors Shiv, 1200 heures, c'est beau. Cherche dégâts ou régène. J'ai pris régène. Ah, quand même. Allez, regarde. T'es sûr de toi là? T'es sûr de toi que balancer ce ciseau, c'est la vie? T'es sûr de toi? Je balance ce ciseau et je mets une lance de joute à la place. Ok, je te suis. Je te suis. Ok. De la merde. Pour le bonus 6. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, non mais c'est vrai. 22 d'armure. Je sais pas si j'ai déjà eu autant d'armure dans... Vous pouvez pas me filer un truc? Une arbalète, non? Du vol de vie, de la régène. À la sensu, on est d'accord. Hein. Allez, go. C'est parti, là on est un vrai chevalier. Les petits lags là, les petits lags de merde. Hein. J'aime pas ça. J'essaie de stack les mobs un peu pour... vu qu'on les... Arrêtez. J'essaie de stack les mobs, j'essaie surtout de survivre. De faire des petits rounds. Oh les petits bats. Et d'où il a une armure lui? Dangereux ce que je fais là. C'est dangereux ou c'est courageux? On sait pas. Je veux ma caisse. Il a tellement de vie. Oh, il va le tuer. Oh, tant pis. J'essaie de survivre surtout.
Il y a des bouboules partout. Ça y est, je me suis senti un peu Matrix là sur les bords. Vol de vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque est sympa. Elles sont en mou... Elles sont un petit peu moustées, ouais. Elles sont en mousse. En vrai, elle est propre le build. Mais... Oui. Je mettrai... Alors... Soit la vitesse d'attaque, ou soit les dégâts. Mais je prendrais plutôt vitesse d'attaque. Je pense que ça va être plus déterminant. Ça, c'est bien. Un peu de régène. De toute façon, vol de vie, voilà quoi. Un point de puissance. Mais c'est fort ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la ceinture noire, ça me paraît très bien. Et une blessure à la tête. Je prendrais ces deux, moi. Non, je pourrais pas. Plutôt la ceinture noire, je pense. Pour la prochaine, ceinture noire. Hein, ou aux blessures à la tête. Ceinture. Et la blessure, je la garde ou pas, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma montre me dit il est temps d'aller faire du sport. Ok. Bah, je vais faire du sport, regardez. Je vais courir. C'est vrai qu'il y a un côté confortable avec les dégâts, enfin les builds à distance. C'est que... Il y a pas mal d'ennemis, de petits ennemis qui décèdent alors que t'as même pas bougé. Ils meurent à l'autre bout de la map quand t'as suffisamment de portée. Et ça, c'est quand même très appréciable. Pardon. Je viens de tilter que j'étais un peu au milieu des mobs, là. C'est les mobs qui sont au milieu de moi, je ne sais pas. Mais heureusement qu'il y a 75% de mobs en moins. Mais pourquoi ils ont beaucoup d'armure là? Il y en a beaucoup avec de l'armure. Non, ou alors c'est qu'ils meurent jamais en fait. C'est pas un build... En fait c'est pas un build... ouais, tu peux pas faire de dégâts en fait, c'est pas possible. Tu peux pas les tuer quoi, on tue personne en vrai. C'est pas vrai puisque je gagne quand même pas mal de pognon. Ça tient en vrai, ça tient. Hein. Plus d'armure, de la récorde, de l'esquive. Ah, peut-être l'esquive. Hein. Alors les chances de crit sont sympas. Mais j'hésite, armure ou esquive? Toujours moins de dégâts. Là on est à combien? 22 d'armure, hein, c'est beau. Hein. Vous recevez 60% de dégâts en moins. C'est le mob avec des verrues qui boostent les autres avec l'armure rouge. Ah, je savais même pas, tu vois. Comme tu le sens, j'aurais roll pour de la régène. Ah ouais? Toujours plus de régène, tu crois? L'esquive, quand même, c'est fort. Hein. Moi, je dirais l'esquive, en vrai. Salut, Alex. Clipper le moment où il dit qu'il gagne pas mal de pognon. Non, ils vont tourner ça. Ils vont tourner ça sur Internet après. Non. Salut, Axel. Pourquoi je trinque avec toi alors que tu veux ma perte? T'es à combien, l'esquive? Je suis à 38%. C'est vrai que vous avez pas mes stats, excusez-moi. Bon, la récolte et tout ça, voilà. La chance, c'est de la merde. La vitesse, je suis à 34. Esquive, 38. 38%, ça m'amènerait un petit 50%, pas dégueu. En vérité. Bah, je trouve que c'est pas mal, ouais. Je trouve que c'est pas mal. J'aurais pris armure. Toujours plus d'armure. Ouais, en vrai, Akiro, allez, je te suis. T'as combien en imposition à l'année et qui? Il paye l'ISF, c'est sûr. Ah ouais? Pardon. Oh là là. Ah, qu'est-ce que vous me faites rire? Dégâts de mêlée. 50%. Ah, dommage, l'esquive aurait été bien là. Ah, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Quoi? Mais pas roll ça, je vais pas roll ça, ça va pas ou quoi? 200 de dégâts là. Gratos. Il est fou lui. Primitif. Ah, dommage. Armure esquive, oui. Toujours plus d'armure et d'esquive. Et de la portée? Le gilet? Est-ce que... Oui, la perfection masculine, mais... C'est une courbe logarithmique, il me semble. Ah, bah, je sais pas. Oh! Magnifique lance de joute. Est-ce que j'en veux une rouge? Ou je veux 3... 4... Non, 4... Il vaut mieux 4 comme ça, hein. Ça diminue moins mes dégâts, mais par contre ça met plus de vitesse en vrai.
Combine et prend violet. J'aurais dit ça aussi. Ok. Go. Ah mais ça servait à rien. Je sais pas si je peux vraiment le tuer. Non, j'ai pas l'impression. Je vais déjà essayer de survivre. Ce sera déjà très bien. Et vous avez vu, j'essaye. Hein. J'essaye. Attendez, je vais plutôt m'occuper des petits mobs. Parce que c'est eux qui vont me faire chier. Ouais, ça va passer là, ça va passer là, je le sens, allez. Toujours en mouvement. Ah, le fait qu'il y ait moins de dégâts quand même, ça leur... Je vois rien. Pardon. Je vais me taire, le karma. Karma IZ. Ça va trop vite. J'ai oublié qu'il y avait autant de mobs. J'ai quasiment pas de soins. Je vais mourir. Tout ce qui va se passer. Je vois rien. Putain, fais chier. Il y en avait trop. C'est non. À 9 secondes près. Mais quel enfer. J'aurais dû prendre l'esquive. Peut-être que j'aurais pris moins de dégâts. Mais pas régène, c'est pas la régène qui m'a... Tu crois? Ah, je sais pas. J'étais à 19 déjà. L'esquive, ça aurait été plus efficient, je pense. L'esquive, c'est 0 dégâts. Hein. C'est 0 dégâts. Ah, merde. Je pense que l'esquive aurait été... 19, c'est que dalle. Ouais, mais j'aurais eu 4 de plus, quoi. Bon. Ça aurait pas changé ça. Ah, je sais pas. Ah, dommage. Le build du chevalier. Aïe. Ah, oh, j'y ai vraiment cru, mais j'ai été karmaïsé aussi, j'aurais pas dû dire ça passe. Je vais oublier qu'après, ça pop de partout, ça arrive de partout. Par contre, le 28 d'armure, heureusement, hein, il faut jouer armure et esquive inévitablement. Hein. Inévitablement. Et c'est vrai que pour ça, le build médiéval, c'est pas mal. Merci Clem Effect, merci beaucoup pour le follow. Merci, bienvenue à toi. Oh putain, je suis deg en vrai, j'y ai cru. J'y ai tellement cru. J'y ai cru. J'y l'eusse tu cru. Oh. Oh. Bon. En vrai, faut aller manger là. On peut pas. On en relance une petite d'air là, mais ça dure trop longtemps à chaque fois. Si j'en relance une, il y en a pour 40 minutes là. C'est midi 20 déjà. Ah, attendez, à quelle heure je commence moi? À quelle heure je commence? Par contre, j'avoue que les mini-freeze t'ont mis dans la sauce. Ben oui, mais je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. J'ai l'impression que c'est quand je prends le... Oh, ça va, j'ai un peu de temps. Oh, j'ai un peu de temps. Peut-être on réessayera tout à l'heure. Je sais pas trop. Non, mais il y a mini-freeze et puis il y a être submergé, quoi. Ils avaient tous de l'armure. C'était pas possible. Avec plaisir, Clem. Avec plaisir, bienvenue à toi. Merci pour le soutien. Ah non, je suis deg. Bon, YouTube, je pense qu'on va s'arrêter là pour le test de Jack. J'ai cru que j'allais pouvoir te dire bravo, c'est fait, GG, on a finish. On teste l'infinite, mais non, pas encore. Jack nous fait de la résistance. Par contre, le build était bien. Je pense que le build est bien. Il nous faut juste peut-être plus de régène ou un truc, ou plus de vol de vie. Peut-être un truc masse vol de vie. Non, peut-être pas. Ah, je sais pas. Non, mais c'était pas mal en vrai médiéval. Hein. Mais peut-être médiéval à distance. En fait, il y a un truc que tu dois arrêter. Vite, au revoir YouTube, dépêche-toi. Je mets un petit pouce bleu. Non, c'est toi. Je sais plus, ils vont me faire taire. Je le sais. Des bisous YouTube, on prend soin de toi en tout cas. N'hésite pas à poser donc ton petit pouce bleu de l'amour. Très bien, ouais, je te fais du Twitch-jutsu pour le plaisir. N'hésite pas à t'abonner également. Et mettre la petite cloche pour être notifié de la suite des événements. On va y arriver, ce Jack. On va le passer. Des bisous, tu prends soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye.